TextMe est en voie de devenir un opérateur mobile virtuel. TextMe est un des leaders du marché américain des télécoms et fournit des seconds numéros de téléphone à des dizaines de millions d'utilisateurs sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. Nous sommes principalement confrontés aujourd'hui à du click-flooding. Ce sont des gens qui vont s'attribuer des installs à tort, parce que AppsFlyer agit comme un tiers de confiance dans l'industrie pour nous permettre d'authentifier les installs et de traquer les comportements des utilisateurs et de les rattacher à des sources d'acquisition d'utilisateurs. Pour prendre pleinement conscience et pleinement en mesure d'un phénomène, il est important de pouvoir le mesurer, et c'est ce qu'AppsFlyer nous permet de faire. On exploite beaucoup l'API d'AppsFlyer pour récupérer tous les jours les installations et les événements créés par nos utilisateurs et envoyés à AppsFlyer. Ce qui va être intéressant, c'est comprendre le comportement de nos utilisateurs. Avec AppsFlyer, on peut mettre en place un certain nombre d'événements qui sont des événements relatifs aux achats réalisés par les utilisateurs, mais aussi à leur comportement télécom. Et on va pouvoir traquer ce comportement télécom globalisé, par exemple le nombre d'appels réalisés par une région, grâce à AppsFlyer. AppsFlyer est donc bien plus qu'un outil pour traquer les installs et attribuer les installs de nos utilisateurs. C'est un outil pour suivre le comportement global et piloter le comportement global des utilisateurs derrière ces installs.